J'aime trop les tirs, c'est ça mon problème. Je suis un tir addict. Encore plus quand je joue sur mon smurf. D'ailleurs, j'ai pas regardé la météo. Est-ce qu'il va faire beau cette semaine? Météo tour. Alors aujourd'hui, il va faire frais. Mardi, il fait moche, mais un peu plus chaud. Mercredi, il fait un peu plus chaud et c'est mitigé. Jeudi, il fait un peu plus chaud encore, c'est mitigé. Vendredi, il fait encore un peu plus chaud, mais c'est mitigé. Samedi, il fait encore un peu plus chaud, mais c'est mitigé. Et dimanche, c'est la même chose. Ok. Yo, Scro, ça va et toi? Comment tu vas, mate? En vrai, en cette période de grosse chaleur, je suis quand même bien content d'être relativement résistant au manque de sommeil. Hein, parce que je vous jure que là, ça fait 4 jours que je passe des nuits absolument. Ok. Donc ouais, ça fait 3-4 jours que je passe des nuits vraiment naze. Mais ça va. I'm tanking. Surtout qu'en plus, en gros, j'ai un problème, c'est qu'en général, mon cerveau, souvent quand je me réveille, mon cerveau il est en mode ta nuit est finie, tu vois. Genre en mode c'est rare que je me rendorme. Du coup, c'est un peu un struggle, quoi. Ok. Ouais, tous les jours. Slam Luden. Quoique. Ouais, si c'est un Luden tous les jours. Ouais, c'est un Luden. Tous les jours, sans exception. Pourquoi Van Vaille? Parce que je vais pas l'utiliser. C'est vrai qu'on aurait pu la garder, c'est pas comme si elle nous coûtait de l'écho pour l'instant. C'est vrai, j'étais pas obligatoire. Enfin, c'était pas obligatoire de Vandal, clairement. 15% by the way. T'es, mais il fait froid. Attendez, je vais couper la clim. Il fait 0 degré dans les locaux. Et merci Tolus Forestier pour les voitures, merci beaucoup. Merci pour ton abonnement Tolus Forestier. Merci beaucoup. Moi c'était moi ou le son de sub était super bas? Chat. Tell me. Ha ha ha.
Il était bas? Bien ce qu'il me semblait. Normalement, ça sera mieux. Aïe, le Nocturne qui est sur la Cassio. Coup dur. Est-ce qu'elle peut faire un dernier cast avant de mourir? Ouais, parfait. Elle est même pas morte en plus. Quel boss! Alors. Bah écoute, ce qui est bien c'est que on peut vraiment tout prendre pour le coup, niveau item. Genre je refuse rien. Ceinture c'est bien, baguette c'est bien, tir c'est bien. Juste BF et gants. Il n'y a que BF et gants qui pourraient m'emmerder un peu. Et même en vrai, je pourrais en faire quelque chose, tu vois, mais si je peux avoir autre chose, je préfère. Voilà, tu vois, là, par exemple, la petite baguette à 3 gold là. Hop les. Et ici ma grande. Sur le level up, il faut juste rentrer un S malheureusement. J'aurais bien aimé faire rentrer mieux, mais bah on n'a pas mieux malheureusement. Est-ce qu'on slam un zap? Je suis pas un fan. Comme tout à l'heure, ça slam le zap, ça cut un potentiel Nico. Mais après, sachant qu'on est en chain win, je suis contre un level 4, donc ça va. Si je tombe, je pense que si je tombe contre un niveau 5 et que je me dis que le fight peut être un peu tendu, je slam le zap. Tant que je vois que c'est tranquille, je chill. Qu'est-ce que c'est fort, l'idée d'un early, c'est quand même un sacré délire. Hein. Tu joues quoi comme compo? En général, bah, ça dépend. Je joue vraiment juste ce que je me donne. Les joueurs mobiles peuvent jouer avec les joueurs PC? Ouais, bien sûr. Of course! Je vends le Ezreal pour pas qu'il nous coûte d'économie. Parce que là on peut passer à 30 gold. Il y a eu un level 5, on est d'accord? C'est qu'en plus on va potentiellement tomber contre lui. Après je pense qu'on peut le battre en fait. Enfin, je pense qu'on le bat même. Ça dépend un peu de ce qui se passe sur la RNG de son. Sur la RNG de son Lucian, mais je pense qu'on peut le battre. Ok, c'est un niveau 5. Et donc on déconne pas, on slam le zap. Je pense qu'on gagnait sans le zap quand même. Bon. Toujours mieux d'assurer. Toujours mieux d'assurer. Putain, on est tellement bien, gros. 30 gold de PVE. Sick. Tu sais qu'en vrai, ça pourrait être une bonne game de Star Guardian aussi. Hein. Mais bon, lui il a l'air très intéressé par le projet. Non, pas un gant. L'item qui sert pas à grand chose. Non, le second item que je voulais pas. Aïe 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 aïe. Les trois items qui ont probablement une très basse priorité dans la compo. Aïe 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 aïe. Après on se console avec un Wukong.
Tous ces gens qui push 6. J'ai pas envie de push 6 moi, ce sera un peu du hint en fait. Putain! Pas envie de faire une QSS en fait. C'est ça le bail. Poppy qui a fait un petit aller-retour. T'es une écho monstrueuse, ouais, je suis tellement huge. Ouais, c'est un peu honteux cette game. Comment je suis censé perdre en fait? Je sais pas pourquoi on est karma. Parce que karma c'est assez bas en priorité. Après, si j'ai une karma de early, ouais, je vais peut-être quand même les prendre. Ça, c'est deux karma, tu vois. J'en touche une, karma passera en deux. Passe deux, ça devient tout de suite intéressant. Karma 1, c'est un peu éclaté. Karma 2, c'est plutôt chouette. Je pense qu'on va les prendre, ouais. J'ai pas besoin de trop grid mon écho. C'est un peu du hit. Hop les nice, on lui pète sa chain win, incroyable. Ça me fume les deux extrêmes entre cette game et celle d'avant. Ah ouais, bah là on est en giga, giga, giga high roll. On va roll un petit peu en vrai, on est tellement one off de 40 trucs. Que... Ok. Je pense qu'on dégage Battlecast. On dégage Battlecast pour protéger un peu notre Cassio. C'est une Cassio 1 qu'on a, donc c'est un peu relou. Elle est plutôt fragile. Elle lui donnait un peu d'attack speed, c'est pas mal vu qu'elle a pas de blue buff. Permet de cast un peu plus. Bon, lui, je suis plutôt content parce qu'il a une compo qui me counter, mais bah, il est plutôt dans la galère là. Sur la niveau item, il a pas l'air ouf et il a un peu l'air en PLS, donc c'est chouette, il va mourir assez vite, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que la compo Blade Master pour Vanguard Mystique, c'est très chiant. C'est un peu comme tout à l'heure, on peut prendre tout et n'importe quoi niveau item, franchement. Après à choisir, si je peux avoir la tire à 4 gold, ça fait grave plaise. Mais bon, sachant que c'est un team au tir, ça me paraît complexe. Mais apparemment, c'est en train de se passer. Après, il est un peu. Oh, il vient vers moi en plus. Oh, monsieur Timo. Alors attends, j'ai le temps. Je peux me laisser la liberté de réfléchir. Est-ce que je veux pas la ceinture dans un monde? Non, je pense que je veux tous les jours la tire. Putain, tu sais, mais qui est vraiment un team au tir qui est qui arrivé jusqu'à fin du carrousel. J'ai envie de le jouer, hein. Tu sais que du coup j'ai envie de le jouer ce team au tir. Mais on ne peut pas. En fait, on peut. En fait, on peut. Nautilus ? Oh non, ça aurait été tellement bien que Nautilus il se retourne sur la backline. Ça aurait été magnifique. Ça aurait été à pas cast, malheureusement. On est quand même ça. Oh, on est tellement strong. Parce que lui, il est censé être un peu chiant à battre, mais. On va déboîter. Il y a un monde où tu transis sniper. J'avoue qu'on a une IE. Tu sais qu'en vrai. En vrai, de fou, hein. Putain, personne joue Astro Sniper. En vrai, totalement, hein.
En vrai, totalement. Ben voilà. Bastouf la gaufre, il est bien résumé chez Sagaï. Cyber et Rebel Jinx, c'est les deux meilleurs compos. Ouais. De toute façon là, la compo qu'on joue, ça dépendra vraiment de ce qui tombe. Hein. Ça, jusqu'à maintenant, on a littéralement juste joué ce que le jeu nous donnait. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Résister. Am I trolling? Might be trolling. Oh, il a deux. Attendez, il a deux forces de la nature. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur la galaxie force de la nature. On a juste eu une autre rate. C'est bon. Pendant une seconde, j'avais oublié qu'on était sur cette galaxie. C'est vrai, my bad. Oh, Teemo, il fait tellement plaisir. Bon, c'est un Teemo 1, mais je te jure qu'il pète des gueules. Hein. Et 6 d'XP, merci monsieur. Prendre ce jet, ça me coûte de l'écho. C'est un peu chiant. Je pense qu'on va laisser tomber Léona pour l'écho, prendre Jinx. Faire un bail comme ça. Ouais. On s'est un tout petit peu affaibli, mais de quasiment rien, donc c'est pas très grave. Et j'aime bien l'idée de prendre ce Jace, ça me donne plus de possibilités. Non, Bard! Oh putain, il survit! Eh bro, Teemo il fait trop le taf, ouais! Ok, nice! Là, je pense pareil, on va sacrifier la Pops pour l'écho. Je pense que là on arrive au stade où il faut gagner un peu en dégâts. Donc je vais mettre Tito à côté de Karma pour avoir un peu plus de DPS. Je pense que c'est vraiment random la façon de placer les shrooms de Teemo. Enfin tu sais, je parle pas de la cible, parce qu'en gros pour la cible, il vise toujours la cible la plus proche. Mais pour comment les shrooms sont placés, c'est très random, tu vois. Des fois il va faire une ligne, des fois il va faire une sorte de triangle, c'est un peu con ce système. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on voudrait nous? Une ceinture, un négatron, une tire. Qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter une BF. BF, ça serait le pire. Ok. Bon, on a forcément quelque chose de bien. Je pense que je veux plutôt la ceinture.
Ouais. Parce que je pense que j'ai pas envie de faire un deuxième zap, c'est un peu éclaté au sol. Alors qu'un Zephyr c'est pas mal. Après baguette. Non, plutôt ceinture. Ceinture, et on va pas slam le Zephyr tout de suite parce que ça peut faire des choses sympathiques. On va attendre de voir ce qui tombe. Bon, je pense pas jouer Astro Sniper. C'est qu'en vrai j'aurais bien pris le gant pour faire une QSS. Parce que je me vois bien jouer Xerath en fait là. Jouer 4 Darkstar avec Xerath et l'affront que je peux avoir. N'importe laquelle. Ok, nice mord à pu cast, c'est huge. Allez Tito, il faut qu'il ulti la backline Tito. Non, il a pas pu. Non, les 100 HP. Putain, non. Coup dur. J'aurais pu jouer pour garder les 100 HP, mais c'était trop du troll. Il aurait fallu que je roll un peu, enfin que je roll même beaucoup. Pour forcer le Teemo 2 et tout. Dommage. Un Jhin en plus serait cool. Ouais, clairement. Mais là ce serait plutôt H. Si on trouve une H on est bien. Parce qu'en gros on va mettre. Vu qu'on n'a pas de stuff à mettre pour Jhin, on met H comme ça on aura Céleste avec H Lulu. Parce qu'en vrai on peut garder Teemo en carry, hein, c'est ok. Hein. Une possibilité acceptable. C'est trop mal Teemo. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça ma compo en vrai. Ça, bar, y a bar, à la place de Bard, je mets Lulu. Mon dernier perso, c'est Ashe. J'ai 4 Vanguard, 4 Mystique, 3 Astro. Après, 3 Darkstar, c'est un peu dommage. Parce que ouais, j'aime bien l'idée d'avoir un Xerath quand même. Après, on n'a pas de Xinzo pour Xerath. C'est vrai qu'on n'a pas de stuff pour Xerath. C'est ça qui est dommage. Et c'est alors que 20 Xerath et 2 Victor. Bon, déjà on va level up. Ça c'est cool. C'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Hein. Non merde, j'aurais dû mettre Xerath. Xerath faisait rentrer 4 Darkstar. J'ai trollé. My bad. Aïe, petite fizz. Enfin, après, c'est bon, on a 4 mystiques en fait. Oh, elle va courir dans les champignons. get wrecked, kid. T'auras plus Astro sans Bard, c'est exact. Très bon flash out. J'ai dû prendre le Gnar. Pour l'instant, on va jouer comme ça. Hein. Merde. Faudrait que je construise mon Zephyr là du coup. Je sais pas ce que je branle mais je suis en train de réfléchir à ce que je veux jouer. Faudrait que je place mon Zephyr, plus important.
Après, sinon, on peut rester comme ça, hein. Du coup, j'aimerais juste déplacer le la Shojin en fait. Prendre la Lulu au cas où. Ouais, je vais déplacer la Shojin. Je suis pas sûr qui je vais foutre la Shojin. Et je pense que je vais remettre Teemo à côté de Karma. Ouais, je vais remettre Teemo à côté de Karma. C'est vrai que Xerath il est sympa quand même, Xerath il fait un bon petit taf. L'air de rien. 2500 dégâts alors qu'il a pas de stuff. Ah quand même, ça j'étais en mode attends. On va vraiment me laisser une dinguerie comme ça là? Pour Aegon des voleurs Xerath. Après Warmog ma frontline c'est aussi ok. Aegon des voleurs Xerath c'est pas mal. Bon attends déjà. Merde, j'ai oublié d'inverser Teemo. La balle. Ça soulève pas Yi. Je pouvais pas soulever Yi en fait. Voilà. Oh, close. Si close. Jhin over Xerath? Ah oui, bah oui, absolument. Mais totalement. Qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que je branle? C'est quoi mon cerveau là? Oh! Oh, part 2, Pog! C'est absolument rien. Putain, j'avoue pourquoi j'ai pas pris ce Jhin et je suis vraiment un mongol. Hein. Et je suis vraiment, vraiment teubé des fois. Oh, gros Teemo, comment il rafale la racaille. Oh, what the fuck. On va essayer d'avoir le rêve, le Teemo Dream. On jouera pas Lulu, ça c'est sûr. Y a pas besoin de mystique? Ouais, y a absolument pas besoin de mystique. Mais pas grand chose d'autre à foutre, hein, sincèrement. Parce que je veux garder Karma pour le Darkstar et le buff. Je veux garder Soraka parce qu'elle est trop rentable. Je veux garder Bard pour Astro. Après j'aurais pu prendre Gnar à la place mais... On va le prendre parce que ça coûte. Euh...
je me suis même pas scout. Je voulais juste chercher mon Tito. Je sais pas sur qui je vais foutre ça du coup. Moi. On va sur le Gino. T'apprends plus vite, qu'est-ce que je te dis, moi. Ouf, oh les shrooms sur la backline. Aïe. RFC Cassio ou non, je m'en fous. Je m'en fous que Cassio elle bouge pas, de toute façon elle craint rien dans le lobby. Y a pas de problème. Elle peut s'avancer, s'exposer, je m'en fous. Ouais, bon, on n'aura jamais team au 3 malheureusement. C'est triste. Ah, je suis un boomer. Oh, je suis tellement un boomer. C'est parce que j'utilise pas les raccourcis clavier pour revenir. Oh, je suis tellement un boomer. Oh. Ah bon, en plus il l'a fait tellement au pire timing. Je pouvais vraiment replacer mon Zephyr 40 fois si je voulais. Mais je suis tellement un boomer que j'y arrive même pas. Alors, tu te rends compte un peu? Bon, de toute façon, je l'extermine. Oh putain, là, explosé. Aïe aïe aïe. This game, dude. On a tellement high roll, ouais, c'est un délire. Toute la game, high rolling all game. Putain, close de la perfect game. Malheureusement, c'est pas passé. Ouh, plus 73, ça fait plaisir. Ça reste une bonne partie qui fait plaisir.